Huntley. Commandant, voici le 11237. Faites-le entrer. Berthier, j'ai reçu des nouvelles pour vous. Vous savez qu'à la suite de l'incendie des comptoirs Lanneau, où vous avez été très courageux, j'ai fait une demande de remise de peine de doublage. Je viens de recevoir votre grâce. Et j'en suis très heureux. Quand votre peine sera terminée, c'est-à-dire dans 45 jours, vous pourrez rentrer en France. Et vous serez un homme libre. Mon commandant, je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi. Voilà, Berthier, ce que j'avais à vous dire. L'appel est-il terminé? Oui, mon commandant, elle est juste terminée. Reconduisez Berthier à sa case. Il y a un peu de soir, tiens. Il y a la mère, va bien, va bien.
Allez, mais quand même. Alors, vous allez pour ça. Là, avec toi. Ça va ? Tirez ! Vous comprenez que je ne peux pas. Ce serait de la folie. Risquer 50 cellules alors que dans deux mois je serai à Paris. Oh, mais c'est la poisse quand même. Oh, faut se faire une raison. On te demande plus rien. Hein. On comprend ça. Seulement ça change les conditions. Avec lui, on avait confiance. Et c'est un bon pote. À nous trois, on pouvait porter le canot. Tandis que nous deux, ça sera du rayon. On mettra au moins une plombe de mieux. Et encore, si on réussit, entre deux rondes. Voilà, ben c'est pas le moment de se dégonfler. Hein. Le coup est prévu, faut le faire. C'est une misère. Si seulement ça s'était passé hier, on vous aurait embarqué, alors. Bonsoir à tous. Mais maintenant. Oh. C'est pas la peine de gamberger, va. Nous aussi, on a sa mentalité. Tiens, même que tu voudrais maintenant. Ben, on ne veut pas risquer de te faire arnaquer. Allez, je suis mis là, tiens l'œuvre là. Il faut le gagner. Allez, ça va. Allez, si tu veux. C'est ton homme. Il faut abattre la tête, hein. Faut pas se tromper. Allez, en route. Allez. Vas-y. Vas-y. Vas-y, tonton. Vas-y. Allez, 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 c'est pas la peine d'aller voir Talardon. Tu seras avant nous, même si on réussit. Vous êtes toujours à l'adresse indiquée. N'oublie pas, hein. 96 boulevard de la Chapelle, l'école du Nord. C'est gravé, là. Ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Je vous montre ma petite fille. Ma petite fille. Ah, bon Dieu. Je ne peux pas croire que ça est vrai. Je ne peux pas croire que c'est arrivé. Voilà, voilà. En effet, dis donc, t'as une belle petite môme. Tu vois ? Ah, si elle est bien foutue. Elle est belle, hein ? Ah, elle est bien belle, là. Mais quand je gagne du bidon, mais quand je gagne quelqu'un. Alors là, au jus. Oh, tiens. Moi, j'en veux pas, je te plaît. J'en veux pas ? Non, ben, tu verras ça, là. J'ai confiance, hein ? Oui, j'ai confiance, là-dedans. Merci. Tu prends une jecque, toi. T'en veux un petit peu. Allez, bonne chère, ça vaut mieux. Ah, tu commences à tricher, t'as retourné là. Je vais te dire. Non, 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 non. Vas-y, 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 v
Refait. Oui. Refait. Oui. Pour pas commencer à dire. Et 9, 5 de la manœuvre. Tiens, voilà, là. Et c'est pour mieux. Oh, alors, merde, mon jeu, alors, putain, j'ai trois couleurs, moi. Mais lui, il avait qu'une couleur seulement. Ah, roule les dents. Roule les dents, il n'a rien à dire, quand on voit. J'ai 6. Et 6 au piano. Et 6. Et 6, toujours. Et 6. Mais roule, et puis toi, ferme là, on entend que toi. Non, vas-y, il faut le temps de les faire, les cœurs. Ça marche. Mais tu vois bien qu'elle est cassée, elle marche pas. Non. Thank you.
semble. Alors, vraiment, il n'y a rien à faire? Oh, je l'ai déjà dit hier. Il y a un remplacement cette fois-ci. Sais-tu si Robert est rentré? Non, je ne sais pas. Alors, on ne sait pas s'il a réussi. Au revoir demain. Mademoiselle Lise Vertier, s'il vous plaît. 37. Ah oui, mais elle n'est pas là encore. C'est que je vais l'attendre dans sa chambre. M'a rien dit. Ben, c'était convenu. Ah, alors, voilà. Merci. Merci bien. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, ma petite Lise? Oh, pas grand-chose. Je te raconterai tout à l'heure. Et toi, tu as du nouveau? Non. J'ai été au syndicat, il n'y a toujours rien. Ah, si on avait ces 3000 francs, ça arrangerait tout. J'ai revu Pierre cet après-midi, ce serait vraiment une belle affaire, tu sais. On aurait la petite maison pour nous, avec le jardin. On pourrait transformer l'atelier en garage. Il y a tellement de voitures qui passent. On se débrouillerait, tu sais. Seulement voilà, il faut une réponse avant 48 heures. Et toi? Moi?
J'ai été ce matin, après ton départ, essayer de vendre deux sacs. Mais il paraît que la clientèle n'en veut plus. Ah là là. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de chance dans la vie. Écoute, André, ça peut peut-être s'arranger. Les 3000 francs, je pourrais les trouver. Comment? C'est demain vendredi. Je pourrais les demander. Les emprunter. Mais Lise, tu es folle. Il nous faut cet argent pour changer de vie, pour qu'il n'y ait plus rien entre nous, plus personne. C'est à lui que je te laisserai les demander. Jamais de la vie. Enfin, il faut bien qu'on en sorte. On rembourserait rapidement l'argent. Ah non, Lise, tais-toi. Je te défends de me parler de lui. D'ailleurs, je veux que tout ça cesse. Pourquoi vient-il encore demain? Tu m'avais promis que ça serait fini. Mais je ne demande rien d'autre. Seulement, c'est difficile. Il a été très bon pour moi avant que je te rencontre. Je veux que tout ça finisse coûte que coûte. Je ferai n'importe quoi plutôt que... Alors, à demain matin, ma petite Lise. Je suis déjà en retard, tu sais. Je voudrais tâcher de voir Pierre pour ses 3000 francs, voir s'il y a quelque chose à faire. Paul, ma clé n'est pas là. Il y a quelqu'un qui est venu, qui vous attend dans votre chambre. Ah.
c'est bien jeudi aujourd'hui. Oui, oui, c'est jeudi. Lise. Lise, ma petite Lise. Ma petite Lise. Papa. Ma petite Lise. Ma petite Lise. Mon papa. Pas à croire que c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Ah, je ne sais pas. Regarde, c'est pour toi. C'est pour moi? Mais oui, regarde. Oh, papa. Ah, elle était prête pour toi depuis longtemps. Et puis avec les initiales? Oui. Je vais te servir, père. Oui. Alors, merci. Alors, tu es dactylo? Oui. Je tiens pour bas. Oui. Eh, ça va, ça marche? Tu es contente? Oui, tu sais. La vie n'est pas bien compliquée pour moi. Tu ne veux pas de sucre? Non, non, merci. Mais dis-moi, tu dois bien t'ennuyer toute seule à Paris. Oui, je m'ennuie quelquefois. Tu es souvent toute seule? Tu as deviné? Non, ça n'était pas bien difficile. Elle a l'air gentille, ce garçon, il a une bonne tête. Qu'est-ce qu'il fait? En ce moment, il travaille rue Fontaine, au bal Loulou. Mais peut-être qu'il fera autre chose bientôt. Il faudra me le faire connaître. Si vous vous aimez, mes enfants, je serai le père le plus heureux. Oh, ma petite Lise, mais il est très tard. Il faut que j'aille à Belleville chercher du travail. Déjà. Tu veux bien, oui. Écoute, comme tu ne peux pas déjeuner avec moi, je viendrai te chercher à la fin de l'après-midi, hein? Ça oui. Va? Oui. Voilà, mon enfant. Au revoir, ma petite Lise. Au revoir. Papa! Voilà. Au revoir, ma petite Lise. Au revoir, ma petite Lise. Au revoir, papa. Au revoir. Bonne chance.
Salut, vieux. Je voudrais bien voir le patron. Où est-ce qu'il faut s'adresser? Je voudrais que tu t'adresses au contremaître, celui qui est près de la pierre Rubon, là-bas. Merci, vieux. Fermer la fenêtre. Alors, qu'est-ce que tu as, ma petite Lise? Raconte vite, qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Allons, dis-moi. Tu te rappelles? Je t'avais dit que mon père était mort quand j'étais petite. Mais c'était pour que tu ne m'en parles jamais. Mais pas parce que j'avais honte, mais parce que ça me faisait de la peine. Dis, ma petite Alouette, dis-moi, c'est ton grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'avais 10 ans, mon père, dans une crise de jalousie, a tué ma mère. Il avait bon cœur pourtant. Et il n'était pas méchant. Mais ma mère l'avait rendu si malheureux. Alors, on l'a envoyé là-bas, à Cayenne. Ma pauvre petite fille, si j'avais su, j'aurais encore été plus tendre avec toi. Et figure-toi, hier soir, après t'avoir quitté, qui je trouve en entrant dans ma chambre? Mon père. Il s'est évadé? Mais non. Il s'est bien conduit. Il a eu sa grâce. Ah, je comprends, ça a dû te secouer. Enfin, l'émotion est passée. Tu dois être heureuse maintenant. Oui, oui. Mais je ne sais plus comment je vis. Pourquoi? Ça ne complique pas ta vie, au contraire. Je n'ai rien dit de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Ni ce que je faisais. J'ai dit que j'étais dactylo. Mais j'ai peur qu'un jour ou l'autre, il apprenne tout. Tu ne lui as pas parlé de moi? Ah, c'est ni avec toi. Ça ne ferait rien. Toute la nuit, j'y ai pensé. Cette affaire de garage, c'est ça qui arrangerait tout. Les 3 000 francs, il faut les trouver. Mais... Il le faut, André. Je ne peux tout de même pas les voler. Toute mon histoire, monsieur Carré. Ça n'est pas bien compliqué, mais ça n'a pas été plus drôle pour ça. Je comprends, mon pauvre. Il y a combien de temps vous êtes à Paris? C'est le deuxième jour, monsieur Carré. J'ai retrouvé ma fille hier. C'est vrai, c'est juste un enfant. Quelle surprise. Ah oui. Oui, c'est une grande fille maintenant. Alors voilà, je me disais, faut trouver du travail, tâcher de se remettre dans la vie normale. Ben, à tout hasard, je vais aller dire bonjour à M. Carré. Il pourra peut-être me donner un bon conseil. Vous avez toujours été si bon pour moi. Quand le malheur est arrivé. Mais moi, j'ai averti, je savais qui vous étiez. J'avais la plus profonde estime pour vous et je n'ai pas changé. Quant au travail, je peux faire mieux que de vous donner un conseil. Je vous offrir une place ici. Ah, M. Carré, vous ne pouvez pas savoir combien ça me fait plaisir. Évidemment, quand on vient de là-bas, ça fait drôle de trouver des gens qui ont encore du cœur. Mais un homme comme vous qui... Allez, allez, c'est la belle vie qui recommence. Tenez, ça vous permettra de reprendre la vie. Bon, je carré, c'est beaucoup trop. L'avance de ma semaine aurait été bien suffisante. Ne vous occupez pas de ça, mon brave Berthier. Je suis trop heureux de vous retrouver. Je ne sais comment vous remercier, monsieur Carré. Alors, à demain, hein. Votre place vous attend et nous allons faire du bon travail. Au revoir, monsieur Carré, à demain. C'est pas le cœur qui manque, je vous assure. Au revoir, monsieur Carré.
Quelle misère! Tu te crèves les yeux à enfiler ces perles et il n'y a pas moyen d'en tirer seulement quelques malheureux billets. Fais voir la montre. Salon. Mais oui, tu sais bien. La crapule qui m'a volé en m'achetant mon épingle de cravate et mes boutons de manchette. Tu te souviens? Maintenant, oui, mais je ne comprends pas. Il a de l'argent. Souviens-toi des petits médaillons qu'il a vendus parce que j'avais un jour de retard dans le remboursement. Et si nous savons nous y prendre, il doit nous rembourser tout ça. Mais André, nous n'avons plus rien à lui porter. Et ça? Tu es fou? Mon père vient à peine de me la donner. Et puis, qu'en obtiendras-tu? 50 francs? 100 peut-être? Non, c'est lui qui nous donnera les 3000 francs. La montre nous servira de prétexte pour rentrer chez lui. Voyons. Si tu lui demandes 3000 francs pour cette montre, il t'en rira au nez. Non, Lise, il ne me rira pas au nez. Parce qu'il aura peur. Peur? Avec ça. André. Tu ne crois pas que ça va lui chatouiller les tripes, passe bon et vous dit shalom? André, je t'en prie. Joue avec, va ma petite alouette. Il ne te fera pas de mal, il n'y a pas de chargeur. Mais ça fait peur tout de même, hein? Bien sûr que ça fait peur. Mais... Je saurais m'y prendre, ma petite Lise. Comprends-moi bien. Il nous faut les 3000 francs. Il les donnera. On les lui remboursera vite. Et alors en voiture, la noce à la campagne, la petite maison, le potager, le garage. Hum? Tu ne crois pas? Dépêche-toi, Lise, allons-y tout de suite. Allons-y tout de suite. Ça en fera une bonne surprise à ton père. Ça, évidemment. André, j'ai peur. Mais voyons, ma petite Lise, on ne risque rien. Alors habille-toi vite. Bien. Qu'est-ce que vous voulez? Nous venons pour engager quelque chose. Entrez. Voyons l'objet. Ce n'est pas une vilaine montre. J'aurais bien fait un petit sacrifice, mais je ne peux presque rien donner à cause des initiales.
Donnez-nous 100 francs, monsieur Shalom. Aïe, veille. 25 francs. Condition d'usage, 20% que je retiens d'avance, remboursement dans un mois. Voilà. Comment 25 francs? Je ne vous ai pas prié de venir chez moi, jeune homme. C'est à prendre ou à laisser. Allons-nous-en. Voilà. Je donne 30 francs. Mais c'est pour vous que je le fais. Il faut bien se rendre des petits services. Je vais préparer le petit reçu. C'est à quel nom? Mademoiselle Lise Berthier. Voilà. Et l'argent? Je vous le donne. Combien traiterais-tu? Vous m'avez dit deux fois, c'est assez. Maintenant, je sais comment il faut vous parler. Et j'ai besoin de 3000 francs que vous allez me prêter en échange de ça. Je ne vous vole pas. Si vous l'aviez entre les mains, c'est le prix qu'il aurait pour vous en ce moment. 3000 francs? C'est une grosse somme, mes pauvres amis. Allez, donc j'ai besoin tout de suite. Écoute que coûte. Les jolies femmes coûtent cher. Allez, allez, les 3000 francs, je vous signe dessus. Tu m'as pris pour un gamin. Tu voulais 3000 francs. Qui est talent? Lise, 30 dollars. Son cœur ne bat plus. Tu l'as tué.
Viens, Lise, je t'assure, nous devons nous montrer quelque part. Je ne peux plus, André, je ne peux plus. Allez, viens. Est-ce que nous pouvons déjeuner? C'est bien ça, mes enfants, nous avons tâché de vous servir. Passez-vous, monsieur Dan. Deux couverts, monsieur? Oui, oui. Qu'est-ce que ce sera? Tiens, il y a Mardi là-bas. Attends. Bonjour, comment ça va? Bonjour, vous allez pas vite, vous allez. Ça va, toi? Là, je travaille, mon vieux, tu sais, comme toujours. Tiens, j'ai vu Marcel ce matin. Oui, nous avons bavardé toute la matinée de cet affaire en question. Bon, alors, ça va. Je pense que ça va s'arranger, seulement c'est difficile. Tu penses à moi, hein? Oui. Qu'est-ce que c'est ça, dimanche? Dimanche matin. Tu veux pas venir avec moi, là-bas? Non, tu sais, j'ai beaucoup à faire en ce moment. J'ai pas beaucoup de temps, moi. Non, pardon. Un séjour. Au revoir. Je croyais que tu n'étais pas là. Oh. J'ai frappé trois fois à la porte, tu n'as pas répondu. Mais qu'y a-t-il? Qu'as-tu? Ne te prête pas, père. J'ai une migraine. Ma pauvre petite fille. Et tu n'as pas de fièvre, au moins? Non. Non, rien au vrai. Mais tu as les yeux rouges. Tu as pleuré, pourquoi? Je suis si heureuse depuis que tu m'es ici. Écoute, ma petite Lise, on est tous ici. Nous allons prendre une voiture et nous allons faire un grand tour. Ensuite, nous irons dîner ensemble. Tout de même, un jour comme aujourd'hui mérite bien un petit extra. Je ne crois pas que je pourrais, père. Ma tête me fait si. Nous allons passer chez le pharmacien et te donnera quelque chose. Ah, tu ne peux pas m'accuser, ça, ce sera si gentil. Dis oui. Oui, papa. Je ne veux pas le temps de m'habiller. 10 minutes, ça va? Oui. Alors, montre en main. Dis donc, ma petite Lise, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai trouvé du travail. Ah oui? Alors, tu es content? Ah, tu penses si je suis heureux. Je te dirai même quelque chose tout à l'heure.
accident, Lise. Tu ne m'as pas dit combien tu gagnais dans ta maison. Combien je gagne? 1 000 francs, papa. Et tes fins de mois sont souvent difficiles, hein? Oh, je m'en tire. Tu en as bien encore pour 5 minutes? Oui, papa. Eh bien, alors attends-moi, je vais chercher des cigarettes, hein? Je reviens dans un instant. T'attends. Pardon, madame. Monsieur Shalom, s'il vous plaît. Merci, madame. Comme tu as été long. Je suis prête. Je t'attends. Oui. Mais qu'est-ce que tu as? Si tu savais ce que tu viens de voir, Lise. Tu n'imagines pas. La montre. C'est donc ce qui s'est passé. Papa. Lise. Lise, ma petite Lise. Je n'ai pas fini, je n'ai pas compris. Père, épargne-moi. Je t'en supplie. André était avec toi. Oui. Non. Oui. Lise, ma petite Lise. Lise. Ma fille, ma petite fille. Lise. Faut changer. Faut trouver les 3 000 fois. Mais non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'allais tout apprendre. Lise. Lise, ma petite Lise.
Ma petite Lise. Où suis-je? Ah oui, tu es là. Est-ce qu'on a trouvé le cadavre? Ah, ma tête me fait mal. Lise. Lise, parle, dis-moi tout, je t'en prie. Je peux tout comprendre. Je suis là pour te défendre. Mon père, nous n'avons pas voulu. Ah, tu ne comprendras pas. Vois-tu, père, quand tu es arrivé. Déjà. Papa. Non, non, non. Non. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que vous voulez? Mademoiselle Lise n'est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez? Elle m'attend. Tu connais ce monsieur, Lise? Elle répond. Mais bien sûr qu'elle me connaît. Lise, c'est aujourd'hui vendredi. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? J'ai peur que je... C'est ma fille. Oh, monsieur, je... Allez-vous-en. Allez-vous-en. C'est vrai ce qu'il a dit là? Réponds. Est-ce que c'est pas vrai que tu as dit l'eau? Et c'est comme ça que tu as vécu. Et moi qui ne pensais qu'à toi, à te retrouver. Ah, ah, elle est belle, ma fille. Mais dis donc. Dis donc, André, il savait ça. Il savait comment tu vis. Oui, c'est lui qui a voulu ça, hein, qui t'a pensé. Veux-tu me répondre? Lâche-moi. Je veux savoir si tu savais quel argent tu vis. Je ne sais pas. Je vais régler ça. Arrête, 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 ar
et m'a aimé. C'est lui. Sans André, je n'aurais pas pu vivre. Tais-toi. Il a vécu de ton argent. Ce n'est pas vrai. J'ai toujours abandonné. Sans jamais personne auprès de moi. C'est ma faute. C'est celle d'André. C'est la faute de qui?
comprendre. Alors, vraiment, il n'y a rien à faire? Oh, je l'ai déjà dit hier. Il y a un remplacement cette fois-ci. Sais-tu si Robert est rentré? Non, je ne sais pas. Alors, on ne sait pas s'il a réussi. Au revoir, demain. Mademoiselle Lise Berthier, s'il vous plaît. 37. Ah oui, mais elle n'est pas là encore. C'est que je vais l'attendre dans sa chambre. M'a rien dit. Ben, c'était convenu. Ah. Alors, voilà. Merci. Merci bien. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, ma petite Lise? Oh, pas grand-chose. Je te raconterai tout à l'heure. Et toi, tu as du nouveau? Non. J'ai été au syndicat, il n'y a toujours rien. Ah, si on avait ces 3000 francs, ça arrangerait tout. J'ai revu Pierre cet après-midi, ce serait vraiment une belle affaire, tu sais. On aurait la petite maison pour nous, avec le jardin. On pourrait transformer l'atelier en garage. Il y a tellement de voitures qui passent. On se débrouillerait, tu sais. Seulement voilà, il faut une réponse avant 48 heures. Et toi? Moi?
J'ai été ce matin, après ton départ, essayer de vendre deux sacs. Marcel Morgan, Jean Chantelou, présent. Josette Leroux, présent. René Chevalier, présent. Albert Saunier, présent. Maurice Talouet, présent. Louis Thibault, présent. François Charlin, matricule 9416. Berthier, présent. Avancez. André Lecter, présent. Albert Dieu, présent. Martini, présent. Montini, présent. Albert Blanc, présent. Carre Lacteur, présent. André. Commandant, voici le 11237. Faites-le entrer.
Berthier, j'ai reçu des nouvelles pour vous. Vous savez qu'à la suite de l'incendie des comptoirs Lanneau, où vous avez été très courageux, j'ai fait une demande de remise de peine de doublage. Je viens de recevoir votre grâce. Et j'en suis très heureux. Quand votre peine sera terminée, c'est-à-dire dans 45 jours, vous pourrez rentrer en France. Et vous serez un homme libre. Mon commandant, je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi. Voilà, Berthier, ce que j'avais à vous dire. L'appel est-il terminé? Oui, mon commandant, elle est juste terminée. Reconduisez Berthier à sa case. Vous comprenez que je ne peux pas. Ce serait de la folie. Risquer 50 cellules alors que dans deux mois je serai à Paris. Oh, mais c'est la poisse quand même. Oh, faut se faire une raison. On ne te demande plus rien. Hein. On comprend ça. Seulement, ça change les conditions. Avec lui, on avait confiance. Et c'est un bon pote. À nous trois, on pouvait porter le canot. Tandis que nous deux, ça sera du rayon. On mettra au moins une plombe de mieux. Et encore, si on réussit entre deux rondes. Ouais, ben c'est pas le moment de se dégonfler. Hein. Le coup est prévu, faut le faire. C'est une misère. Si seulement ça s'était passé hier, vous aurez embarqué alors. Bonsoir à tous. Mais maintenant. Oh. C'est pas la peine de gamberger. Hein. Nous aussi, on a sa mentalité. Tiens, même que tu voudrais maintenant. Ben, on ne veut pas risquer de te faire arnaquer. Allez, je suis mis là, tiens le là. Il faut le gagner. Allez, ça va. Allez, si tu veux. C'est ton homme. Il faut abattre la tête, hein. Faut pas se tromper. Allez, voilà, allez, en route. Allez. Vas-y. Vas-y. Vas-y, Toto. Vas-y. Allez, vas-y, Toto. Vas-y, Toto. Vas-y, Toto. Vas-y, Toto. Vas-y, Vas-y, Toto. 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 Vas-y, Toto
pas la peine d'aller voir Talardone. Tu y seras avant nous, même si on réussit. On est toujours à l'adresse indiquée. N'oublie pas, hein. 96 boulevard de la Chapelle, l'Étoile du Nord. C'est gravé, là. Ça me fera plaisir de vous voir tous les deux. Je vous montre ma petite fille. Ma petite fille. Oh, bon Dieu. Je ne peux pas croire que ça est vrai. Je ne peux pas croire que c'est arrivé. Voilà, voilà. En effet, dis donc, t'as une belle petite môme. Tu vois ? Ah, si elle est bien foutue. Elle est belle, hein ? Ah, elle est bien belle, là. Mais quand je gagne du bidon, fais comme la vie de chacun. Alors, là, au jus. Oh, tiens, on va y aller. Moi, j'en veux pas. J'en veux pas ? Non, mais tu verras ça, là. J'ai confiance, hein ? Oui, j'ai confiance, là-dedans. Merci. Merci. Je viens de paumer un livre. Mais il paraît que la clientèle n'en veut plus. Ah là là. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de chance dans la vie. Écoute, André, ça peut peut-être s'arranger. Les 3000 francs, je pourrais les trouver. Comment ? C'est demain vendredi. Je pourrais les demander. Les emprunter. Mais Lise, tu es folle. Il nous faut cet argent pour changer de vie, pour qu'il n'y ait plus rien entre nous, plus personne. C'est à lui que je te laisserai les demander. Jamais de la vie. Enfin, il faut bien qu'on en sorte. On rembourserait rapidement l'argent. Ah non, non, Lise, tais-toi. Je te défends de me parler de lui. D'ailleurs, je veux que tout ça cesse. Pourquoi vient-il encore demain? Tu m'avais promis que ça serait fini. Mais je ne demande rien d'autre. Seulement, c'est difficile. Il a été très bon pour moi avant que je te rencontre. Je veux que tout ça finisse coûte que coûte. Je ferai n'importe quoi plutôt que...
Alors, à demain matin, ma petite Lise. Je suis déjà en retard, tu sais. Je voudrais tâcher de voir Pierre pour ses 3000 francs, voir s'il y a quelque chose à faire. Paul, Kathleen n'est pas là. Il y a quelqu'un qui est venu, qui vous attend dans votre chambre. Ah. C'est bien jeudi aujourd'hui. Oui, oui, c'est jeudi. Oh, laisse-moi le temps de l'affaire, dit le cavale, tout à l'heure. Comment ça le cavaler sur la ricosse, hein? Non, ben dis, il faut le temps de les faire, les cœurs. Mais toi, Berg, elle est cassée, elle ne marche pas. Non. Quand même, ah oui, il avait l'air du poids. Oh, ma
Allons-y, les gars!